Et salut à toutes et à toutes, c'est Martigay et on se retrouve sur cette nouvelle vidéo, prise 2, sur... Ah. Sur... Pokémon version rouge. Sur notre petit let's play. Il y a 2 secondes, j'étais en train de tourner l'épisode. J'étais rendu à 19 minutes, j'avais viens juste de dire qu'on avait en masse de temps parce que ça faisait 20 minutes. Puis la vidéo s'est arrêtée. Soit il n'y avait plus de place, soit je l'ai arrêté par moi-même sans faire exprès. J'ai la flemme de faire le montage sur vidéo show pour que finalement le résultat soit 1 heure après, puis que je sois obligé d'attendre pour poster la vidéo, puis ça bug, puis que le patati patata. Donc j'ai effacé la vidéo, puis j'ai reparti la vidéo. J'ai pas fait grand chose en 20 minutes. La seule affaire que j'ai faite, c'est que j'ai attrapé un Fantominus dans la tour Pokémon, vu qu'on avait gagné le truc du chef des Team Rocket qui nous avaient lâché un truc permettant de voir les Pokémon Spectre dans la tour Pokémon. Et ensuite, on est en train de se diriger vers Safran. Donc voilà. Là, j'ai fait l'erreur d'aller dans le champ. On était un petit peu en train de monter notre Mélophée qui était niveau 8, qui est rendu niveau 11. On va essayer Crossface sur lui. Bon. Bien. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre de bon? Merde. Une belle image de Poutine derrière. Ça vous donne faim, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Je vais retourner vers mes pas. Souterrain, c'est d'Adopole, l'avant-ville. Ah, ok, c'est pour aller à l'avant-ville, ça. Mais je veux pas aller à l'avant-ville. Donc on va retourner par là. Mais là, faut aller à droite. Je sais pas par où, mais faut aller à droite. Faut retourner vers Safran. Ça doit être par là. Ah, j'ai peut-être trouvé. Pokémon. Donc j'espère que ça sera pas trop chiant la petite vidéo que la petite partie de vidéo qu'on a manqué, mais comme je dis, aussi il y a eu Dracaufeu qui a été monté de niveau au niveau 44, qui était niveau 43. J'avais posé une petite question aussi. Oh wow, ouais, belle image là. J'avais posé la petite question suivante pour Dracaufeu. L'attaque que je parle tout le temps de Dracorage. Est-ce qu'il y a Dracaufeu pour l'apprendre? Il me semble que j'avais vu que oui. Mais là, je doute parce que je monte de niveau et j'apprends pas Dracorage. Donc, vous me direz si vous écoutez vraiment la vidéo. Voilà. Donc là, comme je disais, on essaie de se diriger vers Safran. Puis, je sais pas par où aller. Donc on se retrouve après, je vais aller voir quand même la petite soluce. Ben c'est pas une soluce, mais c'est juste indiquer le chemin. Donc on se retrouve après. Bien. J'ai lu et pas mal lu. J'ai découvert que finalement la suite de notre route, c'est dans la tour Pokémon, finalement, fallait aller tout en haut. Puis la petite escalier qui nous bloquait, finalement, c'était pas juste l'escalier qui faisait ça, c'était un fantôme qui était là. Je me rappelais plus si c'était un fantôme ou juste qu'on pouvait pas aller dans l'escalier. Puis là, j'ai lu que finalement, c'était juste un fantôme. Donc, finalement, on va se rendre à la tour Pokémon. Rendu en haut, c'est supposé de voir des Team Rocket avec un monsieur. Le monsieur, il est supposé de nous donner. C'est lui qui nous donne l'affaire pour réveiller les ronflex, ou c'est lui qui nous donne une affaire pour une cité pour voler, une CS vol. Je pense qu'on va le mettre sur Roucoups. Ensuite, il faut aller à quelque part dans une maison pour pouvoir avoir une super paix, une super canne. Comme ça, on peut pêcher des Pokémon hauts, différents de Magikarp. Ensuite, dans les herbes, il peut avoir des métamorphes. J'ai découvert. Ah, c'est à la prochaine destination qui n'est pas Safrania. Mais plutôt, selon la soluce.
Ça sera pas long. Bon, l'avant-ville, ton Pokémon. C'est Dodopod, Safrania. Eux, ils me veulent que j'aille direct à Parmani. Donc, c'est bizarre, mais oui. Donc, on va aller faire la tour Pokémon. Après ça, on va voir cette. Ah, oh, c'est parce qu'après ça, il me retourne à l'avant-ville. Ça disait qu'on allait attraper City Vol, une CS Vol qui nous permet de se téléporter dans les villes. C'est parfait ça. Et puis de pouvoir patati patata patati patata patati se téléporter dans les villes. Après ça, il disait aller à l'avant-ville. Patati patata patata. Voilà, vous avez tout compris. Voilà, cette fois-ci je ferai pas la même erreur d'arrêter la vidéo, même si on est juste à 5 minutes. Donc voilà, là on va essayer de pas trop croiser. Je sais qu'on peut croiser des spectrums aussi, pas juste des Fantominus. Donc, oups. On peut croiser des spectrums. Donc j'aimerais ça en capturer un, compléter mon Pokédex. J'ai vu aussi que un des ronfles, on peut attraper un Ronflex pour compléter le Pokédex. Ronflex, Pokédex, ça rime. Donc, on va essayer d'attraper un Ronflex. Si on le one-shot pas, parce que quand on le réveille, il nous attaque. On se fait attaquer. Fantominus. On va prendre fuite parce qu'il fait bien mal. Oh, j'ai vu aussi. Il me semble qu'Ortid, il y a une dernière évolution. Puis, je sais pas pourquoi j'avais pas catché, mais. Ortid, c'est un Pokémon plante. Puis, j'ai une pierre plante. Donc, on va l'utiliser sur Ortid. Hein? Ortid évolue. Compléter notre Pokédex. Et voilà! Ortid évolue en Rafflesia. Et voilà! C'est bon. Petite pause évolution. Comme ça, on complète un petit peu le Pokédex. Je pense que j'aimerais vraiment finir la série avec le Pokédex complété. Je sais pas, mais on est bien parti. Il nous en manque pas mal, mais. T'sais, si je réussis à faire des évolutions ou attraper des évolutions, j'ai quand même réussi à avoir un spectre. Il me manquerait Spectrum pour augmenter mon truc. Mais sans Spectrum, il évolue, mais en des petits bonhommes, là. Il ressemble à Spectrum, mais avec des jambes toutes là. Après ça, lui, je me semble qu'il évolue en rien. Il me semble que non. J'ai vu, comme je disais, j'ai vu qu'il y avait des métamorphes. Donc, je me demande si on peut faire, comme j'ai vu dans le let's play de Siphano sur le Pixelmon, le nouveau Pixelmon, Ultra Pixelmon. Désolé. J'ai vu qu'il y avait fait de la reproduction de d'évolu. Moi, je sais pas sur quoi je pourrais faire de la reproduction, mais ça serait le fun. Je sais pas s'il l'a sur les vieilles versions de Pokémon version rouge. Donc, voilà, je me renseigne. J'ai déjà essayé de me renseigner, mais les recherches ont été faibles. Bon, là on fuit beaucoup les Pokémon, mais c'est juste que j'ai pas envie de me battre sur tous les Pokémon puis perdre toute ma vie. Surtout que c'est des Fantominus et donc non des Spectrums. Comme j'ai dit, j'aimerais avoir un Spectrum. Dommage, vous avez plus ma petite séance dans l'autre vidéo. Dans l'autre partie de vidéo, je faisais tous les bruits de Pokémon. Pas toutes là, expression de parler. Mais. Je faisais des bruits de Pokémon, ceux que j'étais capable, puis c'était drôle. Alors, ça passe pas par là. On soigne nos Pokémon. Vous pénétrez dans une zone sanctuaire. Les Pokémon de Sacha sont soignés. Merci. On s'avance. On s'avance. Jusqu'au plafond. Désolé, je chantais la toune de Cornemuse. Mais ça, on est au dernier étage. Puis, je connais le petit Pokémon qui va être caché, ça va être un différent d'eux. Mais celui-là, ça a l'air qu'on pourra pas le récupérer, malheureusement. Mais c'est pas grave. On va faire fuite, mais ça sera pas un Spectrum, ni un Fantominus. Vous allez bien voir.
Encore. Est-ce qu'il y aurait un spectrum au moins que je complète mon Pokédex? Là, à la fin, il va falloir que j'aille sur le truc des Pokémon. Je prenne une liste, puis je check tous les Pokémon que j'ai pas pour ensuite toutes les récupérer. Je veux pas faire le jeu en 100%, mais compléter le Pokédex à 100%. C'est un bien défi. Fuis impudent. Ah, c'est ça, la dernière fois, il disait ça, puis ça faisait rien d'autre. Un spectre apparaît. Le scope sylph révèle l'identité du spectre. Et c'est un Ossature. Sauvage apparaît. Ocelette, puis Ossature, c'est quoi? C'est son évolution, probablement. Niveau 30. Pokémon. Chose qu'il disait, c'est qu'on peut pas l'attraper. Donc, on n'essayera pas. À moins que si on peut. Lance-rugissement. Attaque. Flamèche. Ah! Ok. Ah, gros yeux. On va envoyer tranche. Ah, ça a marché. Oh, beaucoup, oui. On va essayer. Juste pour être sûr, mais normalement, comme qu'il disait, on peut pas, mais on va s'essayer parce que, il me semble, c'est pas dans un dresseur. Ah, ben on peut. Oh non, il évite la balle. Ok, bon. J'espère que j'ai pas perdu ma Pokéball. J'aurais dû checker en même temps, mais j'ai pas checké. Et voilà. Et voilà. Désolé, voilà. 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 Milodelph dans 265. Milodelph monte à chaque fois que je l'utilise pour combattre. Et voilà. Le spectre était l'esprit damné de la mère de Osley. L'âme de la mère a été apaisée. Elle est partie vers l'autre monde. Oh, c'est cute ça. Et voilà, on est vers le haut. Ici, on est supposé croiser des monsieur. Oh, un spectrum. Je l'ai pas. Spectrum apparaît. Oh, niveau 28. Pokémon, Dracaufeu. Si je réussis à pas le one-shot, je pourrais utiliser tranche. L'échouille. L'échouille. Tac, tranche. Ok, ça marche pas sur lui. Oh non, onde folie. Non. Objet. On va essayer quelque chose. Peut-être une idée. On va envoyer une super balle une fois. Voir. Un, deux. Oh, ben on a eu de la chance. Troco Spectrum est capturé. Et voilà, on complète notre Pokédex en Pokémon Spectre. Même s'il va rester Spectrum à faire évoluer. Sûrement qu'il évolue au niveau 36, qui est niveau 28. S'il y a une évolution, Fantominus, il n'y en a pas, je suis sûr. Transférer sur le Pokédex. Spectrum Ghastly. Il peut se glisser à travers les murs comme une créature d'une autre dimension. Voulez-vous donner un surnom? Un Spectrum? Non. C'est bien de jouer avec les vrais noms. Spectrum est transféré au PC de Léo. Bon, maintenant on se bat avec les dresseurs. Que veux-tu? Que cherches-tu? Tu détiens un monsieur qui est très important. S'il vous plaît, me le rendre. Rocket veut se battre. Rocket fait appel à. Il me semble qu'ils ont des bombes Pokémon. Bon, pour l'instant. Pokémon, regardez ça, on va battre le petit monsieur. Puis, je vous le dis, Milodelph va monter de niveau. Ultrason. Oh non, on devient fou. Ah, c'est bon. On devrait le one shot, oui. Regardez ça. Oh non, même pas. Fallait que je dise ça pour pas que ça marche. Un autre Nosferatu. Là, il y a une place que ça disait si on a 50 Pokémon, on va pouvoir
avoir un truc pour partager le niveau. Je suis pas sûr les niveaux à tous les Pokémon à chaque combo de quoi. Donc j'espère que j'ai au moins 50 Pokémon. Ou quelque chose comme ça. Ultrason. Dracaufeu devient fou. Non, non. Ah bon. À chaque fois, ça fait ça. J'ai mal à la gorge. C'est mauvais signe. Quand j'ai mal à la gorge demain, ça veut dire que je vais avoir mal à la gorge toute la nuit, puis ça va être désagréable. Monte au niveau 13. Oui, tranche de vie. Nosferalto. Oh. Oh, wow. Ça, c'est l'évolution de Nosferatu, sûrement. Puis là, je pense que parce qu'on l'a vu, il est dans le Pokédex. Tranche. Oh, il est encore dingue. Ça pas lui, mais il me fiche des dégâts. Oh, ça fait mal. Transgressement. Tranche. Oh, ça se sent mieux. Lui, ça se sent moins bien. C'est bon. Je croyais avoir lu, je m'abonne. Ok, ils vont s'en aller tous à chaque fois. Est-ce que je peux éviter le gars? Non. Bon, beaucoup de combats nous attendent. Ce vieil homme est venu nous demander de ne plus troubler les gens des Pokémon. Mais c'est une conversation d'adulte, petit. Dégage. Bon. Ils ont parlé d'un vieux monsieur. Qui est ce vieux monsieur? On va voir. Smogo. Smogo. On appelle Dracaufeu. On envoie Tranche. Ah, merde. Ah ben ça a pas marché son affaire. On lance Tranche. On one shot. Oui. Coup critique. Il gagne 316 points d'XP. Oh! Il gagne plus d'XP, notre cher Mélodelphe. Oh! Soporifique. Soporifique. Un Soporita. Un Soporifique. Non! Ok. Frénésie, c'est correct. Au moins, c'est pas tranche flamèche. One shot le, parce que sinon il va m'enlever des pouvoirs. Ok, c'est bon. Coup critique, le soporifique ennemi est KO. Monte au niveau 14. Et voilà. Dans le temps, on va être niveau 45. Les Pokémon servent qu'à gagner de l'argent. Reste en dehors de nos affaires. Est-ce qu'on arrive proche du vieux? Je me demande c'est qui le vieux. Oh, on voit le vieux. Il n'y a personne à sauver ici. Ben non, il y a juste un monsieur en haut à gauche. Rocket veut se battre. Rocket fait appel à Nosferatu. Bon, ça va aller. Ce serait le fun que Meludolph ait des attaques, mais bon. On va essayer de le monter jusqu'au niveau 20 si c'est possible. Bien rendre rond nos Pokémon. Mais qui ont toutes vers un niveau 20. Et plus. Coup critique. Le Nosferatu est KO. Désolé, je suis encore fatigué comme d'habitude parce qu'il est tard. Il est 11h32 encore une fois. Ok, soit qu'il est de bonne heure, soit qu'il est tard. Oui, c'est normal. Donc voilà, j'étais un petit peu fatigué. Je me suis dit que j'allais tourner deux épisodes à la suite, mais finalement, je tournerai les deux épisodes à la suite demain. Parce qu'à ce soir, je pense qu'après ça, je vais écouter des vidéos, mais là, je commence à être fatigué. Donc, je sais pas si je vais tenir pour une deuxième vidéo. Pas envie de m'endormir comme dans Ocarina of Time. C'était beau ce rire là. Il était très vrai. Nosferatu, bon.
Merci, comme ça au moins tu nous facilites pour ton premier, ton dernier Pokémon. Et voilà, coup critique. Sacha a vaincu Rocket. N'affronte pas la team Rocket. Ben, c'est ça que j'ai fait, non? Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Oui, je sais, tu me le dis à chaque fois. Bonjour, le vieux. Monsieur Fuji, et tu es venu me sauver? Merci, je suis venu ici de mon plein gré. Je voulais apaiser l'esprit de la mère de Osley. Je pense que l'esprit de Ossature s'en est allé vers les cieux. Je dois te remercier pour cet acte noble. Viens avec moi dans ma maison. La maison Pokémon. Au pied de cette tour. Oh. Monsieur Fuji a pris le repos de la mère de Oslette. Ah, c'est ça qui parlait. Ah. Monsieur Sacha, ta quête pour compléter ton Pokédex échouera si tu n'aimes pas tes Pokémon. Je crois que ceci te sera utile. Pokéflûte. En jouant de la Pokéflûte, les Pokémon endormis se réveilleront. Elle marche sur tous les Pokémon. Ok, merci. Voilà. Je vais voir c'est où la suite et on se retrouve après. Parce que là, je suis. À moins que ça soit en bas. Ah, c'est peut-être par là-bas. Attendez, on va voir. Ah, ben ça rentre par là. Il y a un beau panorama là-haut. Ok. Bonjour. Les cendres de mes Pokémon sont dans la tour Pokémon. Tiens, prends cette cité. Je n'en ai plus besoin. Oh, bon. Bien. Météore. Donc, on va regarder dans les petites jumelles. Vous regardez dans les jumelles. Vous voyez la tour Pokémon. Ah, ok. C'est juste ça, on peut même pas voir à travers. Génial. Bon. On va sortir. J'espère que ça nous rend d'autre bord ou quoi, ou quelque chose de même. Nous, on l'avait déjà eu. Du coup, c'est pas par là. Du coup, c'est pas par là non plus. C'est pas du tout par là, donc on va aller par là-bas. Ça passe pas. Ça, c'est ça qui arrive quand on sait pas par où aller. Tu. Ok, ça passe pas par là. On vient de là. Donc on va aller là. Ça passe pas. Laissez-moi aller voir un tout petit peu parce que je sais pas vers où aller. On se retrouve après les gens. On se retrouve normalement c'est sur la route 8. Si j'ai bien lu. Mais j'ai l'impression que c'est pas par là. Faut aller vers Kermit-sur-Mer, je pense. J'ai juste pas trop envie de faire des trous de partout. Mais je sais pas par où là faut aller. À part là, on peut aller nulle part. Voyons voir. Cette fois-ci, je ne couperai pas. Ça sert à rien. Plus haut, ils ont parlé de ça.
Du coup. Non, revenez, partie précédente. Merde. Partie précédente. Non, ça c'est la suite. Route 16 Nord. Elle est à l'ouest de Céladopol. La partie principale de la route 16 est bloquée par. Ok, à l'ouest de Céladopol. On était à Céladopol. Bon, on retourne à Céladopol, puis c'est supposé d'être au nord. Donc, let's go. On y va. Boing, 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 boing. Jusqu'au plafond. Cornemuseux. 4 Pokémon. Désolé si ma voix est bizarre et elle semble étrange. C'est juste que je check de la pâte. Je check de la pâte. Tu sais, sur Google Traduction, quand tu marches, genre. Ah. Là, ça fait. Ah. Je sais de la part comme ça. J'ai plus d'air jusqu'au plafond. Donc, faut aller au nord de Céladopol. Je gâche que c'est par là. Oui, c'est la seule place que je suis pas été. Ah non, excusez-moi. Je me trompe. Ça passe-tu par là? Non. Par ici non plus. Bon, du coup, on va aller là comme prévu, puis on va aller au nord de Céladopol. Y a-t-il un chemin de ce côté? Non. Y a-t-il un chemin de l'autre côté? Tintin. À date, il y a un beau chemin pour aller vers le nord. Ça, c'est où c'est le manoir? Il n'y a certainement pas d'autres évolis. Attends, on va aller par là-dedans. C'est le fun qu'il y ait un autre évolué? Non. Du coup, on descend. Me serais-je pas trompé? Le nord. Non, c'est le sud vers le bas, me semble. Le nord est en haut. Parce que moi, je suis dans le nord. Le sud. Bien sûr. La la la. Ici, ça sert à rien pour l'instant. On va continuer par ce côté au lieu. Essayer si on peut pas aller vers le nord. Au nord de Céladopol. Ah, ben oui, il y a toujours une place que je visite pas. C'est toujours là. Pokémon. Rafflesia. Pendant un moment, j'ai cherché Artide. Bon. Y a-t-il des bons Pokémon ici, me semble? Attends, on va voir si on pogne le même Pokémon. Ratata.
Non, c'est pas bon ça. Bon, c'est silencieux tout d'un coup. Ouais, c'est vraiment silence tout d'un coup. Tintin. Ah non, on doit faire quoi? Raflasia, coupe. Ici, on doit jouer de la flûte. L'objet. On va jouer de la flûte. Oui, c'est très silencieux. Et voilà. Là, t'es mieux de pas. Bon, ça a bugué ou quoi? Ok, non. Onflex se réveille. Il est tout grognon. Il vous attaque. Salut! Oh, je sais quoi faire. On va prendre un Fantominus, on va le rendre dingue. Pokémon, Fantominus. Attendez 2 secondes.